Rodriguez sur le côté droit, un ballon pour Toumba. Toumba qui ouvre le score. 44e minute de jeu et premier but de Toumba en première division. Un superbe but avec Rodriguez qui lui donne. Je m'appelle Zico Toumba. Je suis entraîneur éducateur au club du TAC FCO, le Touquet. Alors mon parcours depuis que je suis jeune, c'est-à-dire j'ai été formé au football club de Metz. Je suis arrivé au football club de Metz à l'âge des 13 ans, vers les années 89-90. Et là, j'ai fait toutes les équipes de jeunes. Donc après, j'ai eu la chance de jouer en professionnel à mes 19 ans, avec notamment Robert Pires, Robert Song et Joël Muller comme entraîneur. Et après le FC Metz, j'ai été prêté un an à Mulhouse, qui était en Ligue 2 à l'époque. Et j'ai fait un an là-bas, et après j'ai fait 6 ans aux Pays-Bas. Après le Pays-Bas, j'ai fait un an en National à 7, dans le Sud. Et après, c'était la fin de ma carrière. C'est quoi votre formation pour être entraîneur? La formation pour être entraîneur, il faut passer des diplômes. Il faut passer initiateur 1, initiateur 2 pour au fur et à mesure dépasser les diplômes nécessaires comme le BE, animateur senior, tout ça, pour espérer d'entraîner déjà au niveau senior. Mais avec la chance que j'ai eue de pouvoir jouer au monde professionnel, donc vous avez la possibilité de valider, c'est-à-dire de faire un VAE, qui est validation par acquis d'expérience, au nombre des matchs que vous avez joué en étant jeune au niveau CFA ou au niveau professionnel. Et après, quand on veut entraîner les équipes de première division et de deuxième division, ça demande encore beaucoup plus de diplômes. Metz, maintenant, qui repart avec Toumba à la limite de hors-jeu. Il a passé Varmuz. Il temporise un petit peu, un petit crochet, et Varmuz ne parvient pas à capter le ballon. 2-0 pour Metz. Deux buts marqués par Toumba.